Allez Roxy, on y va. Bonsoir les amis. Allez, on va se rentrer pour aller faire une petite confiture de coin avec quelques morceaux. Beaucoup de morceaux de coin. En tant que gourmand. Alors comme vous pouvez voir, oui, il y en a de toutes les tailles. Un petit peu abîmé là, mais une fois découpé, épluché, ça va aller correctement. Celui-là, il est encore vert, mais il ira très bien pour la confiture. Les coins du jardin. Voilà. Avec des tout petits mignons, comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, après les avoir épluchés, on peut éventuellement les faire tremper dans une eau citronnée. Moi, je vais les laisser telles quelles. Et maintenant, je vais venir les couper en tranches. Et on va enlever tout ce qui est abîmé, comme les nœuds, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. Et il va falloir les couper en tranches. Et tout ce qui est abîmé, on jette. Et après, on va peser le fruit. Alors, comme je vous montre, hein, je vais couper. C'est pas vraiment des tranches, c'est vraiment du petit morceau. On coupe le coin comme on peut au départ. Voilà, on prend un bon couteau. Il y a des pépins là, on va les enlever. Et si jamais le coin est un peu abîmé, ben on enlève le tout. Alors là, pareil, je vais faire des petites tranches, comme vous pouvez voir. Hop, 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 hop. Et on vient regarder si c'est pas piqué. Vous voyez, là, ça, je vais enlever. Ça, c'est où il y a le pépin. On enlève. Voilà. Et hop, dans le saladier. Alors, quand vous tombez sur le coin qui est abîmé, comme ici, ben, vous enlevez ça. C'est-à-dire que vous récupérez, voilà, la partie qui est là, qui est, elle, correcte. Et toute cette partie, ben, vous la jetez. Allez, à tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas que des tranches, hein, il y a aussi des morceaux. Alors, le fruit s'oxyde, c'est normal, hein, parce qu'il n'est pas trempé dans de l'eau citronnée. Moi, ça, je préfère avoir sa couleur naturelle, hein. Alors maintenant, je vais aller le rincer, le peser, et après, on envisagera le sucre avec son poids. Pesé, on est à 900 grammes. Donc, je vais venir y mettre 800 grammes de sucre, et avec à peu près 1 demi-litre d'eau, et ça va cuire comme ça pendant entre 50 minutes et 1h10 maximum. Alors voilà, dans la marmite, je viens y mettre 1 demi-litre d'eau. Ça va être à feu moyen. Et je vais mettre mes fruits et 800 g de sucre. Et après, c'est parti pour, comme je vous ai dit, entre 50 et 1h, voire 1h10 grand max. J'ai mis un bon 2 ml d'eau, mes 800 g de sucre, 900 g de fruits. Maintenant, pour aider à fondre le sucre, je vais juste prendre un tout petit verre d'eau, donc 20 centilitres, que je vais venir mouiller le sucre par-dessus. Je vais mettre le couvercle à feu doux et on va cuire avec le couvercle pendant au moins 10 minutes. Le couvercle, c'est pour aider à faire fondre le sucre et après, une fois que le sucre sera bien fondu, on va mélanger le tout et faire cuire sans le couvercle. Voilà, les 10 minutes sont faites. Je vais ouvrir le couvercle, on va regarder. Voilà, c'est bien, on a un frémissement qui est très correct. Donc maintenant, je vais venir remuer et ça va être parti pour une heure à ciel ouvert. Comme je vous ai dit, ça ne va pas être une vraie confiture de coin parce que je vais les laisser en morceaux. Donc, ça va être une sorte de entre la confiture et le fruit confit. Mais après, si vous voulez une vraie confiture, vous pouvez prendre, ben, vous prenez un écrase-fruits et puis il suffira de bien les écraser. Et entre les morceaux et la gelée, ça vous fera une vraie confiture pour étaler. Je viens de m'apercevoir qu'il me restait un petit bâton de cannelle. Ça ne sera pas de refus. Donc, allons-y pour le petit bâton de cannelle. Voilà. Alors voilà, on arrive à 45 minutes de cuisson. Il en manque encore un peu. C'est pas assez cuit. Vous remarquerez que la confiture de coin, que le coin, il n'y a pas beaucoup besoin d'écumer. Ça fait très très peu d'écume. Donc, on se revoit quand la confiture sera finie. À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. Je vous présente tout ça dans les bocaux. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est cuit. Je remplis le bocal sans me brûler. On le ferme, on le retourne et on n'en parle plus jusqu'à demain. Et voilà, c'est fini. Allez, bon appétit.